Bonjour, nous allons dans cette première vidéo montrer l'importance de la fidélisation pour les entreprises. Alors, la fidélité est le principal objectif de toute politique de GRC. C'est pourquoi nous allons nous intéresser à ce concept. Dans cette première vidéo, sera consacrée uniquement à présenter l'importance pour une entreprise de développer une stratégie de fidélisation. Alors, quelle est l'importance de la fidélisation des clients? Alors, la survie de l'entreprise et la rentabilité d'une marque dépendent pour une part de son aptitude à conquérir de nouveaux clients. Mais elles dépendent plus encore de son aptitude à les conserver, c'est-à-dire à les fidéliser. Les avantages qu'il y a pour une marque ou pour une entreprise à avoir des clients fidèles sont reconnus depuis toujours, notamment dans certains secteurs d'activité tels que la distribution, la banque ou l'assurance. Mais depuis quelques années, l'importance qu'attachent les entreprises dans tous les secteurs d'activité à la fidélité de leurs clients s'est beaucoup accrue. Les principaux arguments qui militent pour cette importance sont les suivants. D'abord, il est moins coûteux de conserver des clients que d'en acquérir. En effet, il est généralement beaucoup moins coûteux pour une entreprise de conserver un client existant que d'acquérir un client nouveau. Le rapport des coûts de fidélisation au coût de conquête varie en moyenne de 1 à 3, mais peut atteindre un rapport de 1 à 10. Exemple, selon le responsable de la cellule fidélisation de France Télécom, les coûts marketing de conservation d'un client existant et d'acquisition d'un nouveau client pour l'entreprise et dans le domaine de la téléphonie mobile sont dans un rapport de 1 à 10. Dans certains types d'activités, le coût d'acquisition est si élevé qu'il constitue un véritable investissement qui ne pourra être amorti et rentabilisé que si le nouveau client reste fidèle pendant plusieurs années. C'est ce qui se passe souvent, par exemple, dans les clubs de vente de livres ou de vin. Les offres promotionnelles et les cadeaux qu'ils proposent pour attirer de nouveaux clients peuvent représenter une ou deux années de la marge brute que ces clubs réaliseront dans les achats ultérieurs des clients. Les entreprises qui se trouvent dans ce type de situation doivent être très vigilantes dans leur politique de recherche de nouveaux clients. Elles doivent s'assurer, notamment par la sélection de prospects à fort potentiel d'achat, que la valeur actualisée nette des nouveaux clients, encore appelée lifetime value, c'est-à-dire la somme actualisée des flux financiers futurs que l'entreprise peut attendre de ses clients, est supérieure à leur coût d'acquisition, ce qui suppose généralement qu'ils resteront clients pendant longtemps. Alors, deuxième raison, les clients fidèles sont parfois plus rentables que les clients occasionnels. En effet, dans certaines activités, et notamment dans les activités de service et le business to business, les clients d'une entreprise ont tendance à augmenter leur achat auprès de cette entreprise au fur et à mesure qu'ils la connaissent mieux et l'apprécient plus. C'est ainsi que les clients des sociétés d'assurance peuvent souvent être amenés dans les années qui suivent la souscription de leur premier contrat à souscrire d'autres. C'est ce qu'on appelle en termes marketing l'achat croisé ou cross-selling. Dans les cas de ce genre, la rentabilité des clients fidèles s'accroît au fur du temps et de la relation avec le client. Troisième caractéristique, les clients fidèles sont un gage de stabilité. En effet, le chiffre d'affaires que les clients fidèles génèrent est moins fluctuant que celui qui provient des clients occasionnels. Du fait de leur attachement à l'entreprise ou à la marque, les clients fidèles sont relativement peu sensibles aux sollicitations et offres promotionnelles des concurrents.
Ils sont également moins enclins que les clients récents ou occasionnels à abandonner leur marque en cas de crise. Par exemple, le déréférencement de la marque par certains distributeurs ou accidents de production, rumeurs fondées ou imaginaires concernant la qualité du produit, etc. Autre raison, les clients fidèles sont la source d'un bouche-à-oreille positif. En effet, il a été observé que dans de nombreux cas, les clients fidèles d'une marque ou d'une entreprise se font spontanément et bénévolement les agents actifs de promotion de cette marque auprès de leur entourage et deviennent ainsi pour elles, par la voie du bouche-à-oreille, des recruteurs très efficaces parce que désintéressés et crédibles. Pour toutes ces raisons, la clientèle fidèle d'une marque ou d'une entreprise est à juste titre considérée comme un véritable capital incorporel, encore appelé capital client. Dans certains secteurs, l'existence et l'importance de ce capital sont reconnues depuis longtemps. Par exemple, les courtiers d'assurance au moment de prendre leur retraite ou encore les détenteurs d'un fonds de commerce vendent leur portefeuille de clients à leurs successeurs. Mais ce qui est nouveau, c'est que même les entreprises commercialisant des biens de grande consommation ont une masse apparemment anonyme de consommateurs, attachent désormais, elles aussi, une grande importance à leur capital client. Donc, ainsi se termine cette première vidéo. La prochaine vidéo concernera le concept de fidélité que nous allons étudier dans le détail. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine vidéo.